Salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne des chansons au bout des doigts. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous apprendre le tout nouveau morceau de 3 cafés gourmands qui s'appelle Évidemment. Ce morceau est vraiment facile puisqu'il est basé uniquement sur 2 accords, donc cette vidéo ne va pas prendre plus de 5 minutes, je l'espère. On va donc commencer par les positions des accords. On aura 2 rythmiques à avoir sous les doigts et le tour sera joué pour cette nouvelle chanson. On va donc enchaîner 2 accords. On va avoir un Ré mineur et un Sol mineur. Je vais donc utiliser les renversements pour éviter de me déplacer un maximum sur mon clavier. Vous connaissez maintenant la technique. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans les cours en ligne que je propose dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer avec notre Ré mineur, donc je fais une petite basse à la main gauche, orange, et à la main droite, je vais avoir La, Ré, Fa. Donc, violet, orange et vert. Le deuxième accord, je vais faire un accord de Sol mineur, donc Sol à la basse, bleu, et Sol, Si bémol, Ré, bleu, violet, rose et orange. C'est les 2 accords principaux pour ce morceau. De temps en temps, on entend une montée qui nous annonce les changements de partie. Ce sera juste un La majeur, violet à la main gauche pour le La, et La, Do dièse, Mi, violet, rouge, orange et jaune. On va donc appliquer la première rythmique sur ces accords. On va donc alterner, comme vous avez pu l'entendre, la main gauche et la main droite. Ce qui nous donne en comptant 1, 2 et 3, 4 et. C'est tout. 1, 2 et 3, 4 et. 1, 2 et 3, 4. Pour avoir vraiment l'effet de la guitare, n'hésitez pas à piquer vos notes de l'accord de la main droite. Ça veut dire que je ne dois pas laisser mes doigts enfoncés dans le piano. Hop, une fois que j'ai joué l'accord, je relève mes doigts et ma main aussitôt. Sinon, ça nous donnerait un pâté. Non, on veut un morceau dynamique, donc un petit peu de staccato. Pour la deuxième rythmique, on va insérer des doubles croches. Pour l'accord de Ré, ça ne change rien. On alterne toujours gauche, droite, gauche. C'est sur l'accord de Sol que ça change. On va donc alterner gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche. Si je fais tout depuis le début lentement, gauche, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Pour jouer le La, vous pourrez donc le faire en croche, comme ceci, 1 et 2 et 3 et 4 et, ou alors sur la rythmique numéro 2. Ce sera à vous de choisir. C'est tout pour cette chanson, j'espère que cela vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi votre petit pouce bleu sous la vidéo, et pourquoi pas abonnez-vous pour retrouver chaque jour un nouveau tutoriel à apprendre sur votre piano. Je vous dis à très bientôt.